Trois hommes. They were not crying. Ils n'étaient pas en train de pleurer. They were not panicking. Ils n'étaient pas en train de paniquer. But the Bible said. Mais la Bible dit. They were walking. Amen. You will walk in your fire. Vous allez marcher dans le feu. In the name of Jesus. They were rejoicing. Ils étaient en train de se réjouir. They were singing. Ils chantaient. Because the fourth man. Parce que le quatrième homme. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They were singing. Ils étaient en train de chanter. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. That were tied. That were tied. Allez, et mourir. The fire just burns, you know, the le feu a juste brûlé ceux qui les attachaient. Set them loose. Et les a libérés. And they were having fun with et their ils étaient en train de s'amuser avec leur maître. Alléluia. Alléluia. You know, holy life. Vous savez, vivre une vie sainte, it's for your own. C'est pour votre bien à vous. Alléluia. If you are a Christian, si vous êtes un chrétien, you are a child of God. Vous êtes un enfant de Dieu. You have given your life to Christ. Vous avez donné votre vie à Christ. And people are forcing you to live a holy life. Et les gens vous forcent à vivre une vie sainte. Then it means you don't understand it at all. Ça veut dire que vous ne comprenez rien. Hallelujah. Alléluia. Because when you live a holy life, lorsque vous vivez une vie sainte, when you give your all to the master, lorsque vous donnez when you don't share your life with the stranger, lorsque vous partagez pas votre vie avec les étrangers, it is for your own good. C'est pour votre bien. You are the one that will enjoy communion with the fourth man in the fire. Hallelujah. Avec le quatrième homme. The fourth man in the fire. Le quatrième homme dans le feu. Will always wait to the last minute. Va toujours attendre jusqu'à la dernière minute. To see how long you can hold on. Pour voir combien de temps vous pouvez tenir. How long your faithfulness can go. Combien de temps jusqu'à où peut aller votre fidélité. Hallelujah. Hallelujah. The fourth man in the fire. Le quatrième homme dans le feu. Does not come before time. Ne vient pas avant le temps. Because your time, parce que votre temps, my time, mon temps, is not the time of the fourth man. C'est pas le temps du quatrième. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says la in Bible his time he makes everything temps, beautiful. When it is the time of God, lorsque c'est le temps de Dieu, in that fire, dans ce feu, he will make everything beautiful. Il va tout faire pour que ça soit merveilleux. Hallelujah. Hallelujah. God allowed Shadrach, Meshach, and Abednego. Dieu a laissé Shadrach, Meshach et Abednego to be tied, d'être liés, to be thrown into the fire, et pour être jetés dans la fournaise. Why? Pourquoi? If you read it, si vous le lisez, with understanding, avec la compréhension, with human logic, avec la logique humaine, you will say, but God is supposed to save them before they enter the fire. Vous allez vous dire, mais Dieu devait les sauver avant qu'ils rentrent dans le feu. Hello. Hello. Because normally fire destroys. Parce que normalement le feu détruit. God knew what he was doing. Dieu savait ce qu'il faisait. So if God is leaving you in that state up to donc, today, si Dieu vous laisse dans cette situation jusqu'à aujourd'hui, he knows what he's doing. Il sait ce qu'il fait. He's a master planner. C'est un Dieu qui planifie. Hallelujah. Hallelujah. If God has allowed you to come to France, si Dieu vous a laissé venir en France, he knows what he's doing. Il sait ce qu'il est en train de faire. Hallelujah. Hallelujah. If he did not want you to come, you will not be here. Il ne voulait pas que vous veniez, vous ne serez pas là. Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Because even some people, parce que certaines personnes, that came by the boat, qui viennent par le bateau, a lot of them have died. Beaucoup d'entre eux sont morts. But God did not allow you to die. Mais Dieu vous a pas laissé mourir. Even if you came through another desert, même si vous êtes allé dans ce désert. Some people died and roasted in that place. Certaines personnes sont mortes dans cette place. God did not allow you to die in the desert. Dieu vous a pas laissé mourir. He has a purpose for you. Il avait un but pour vous. He's just waiting. Il attend juste. He's just waiting for that perfect time. Il attend juste pour ce temps parfait. Because you know something. Parce que vous savez quelque chose. As the enemy is heating up the fire, comme l'ennemi chauffe le feu, they are so certain in their hearts. They are so certain. Ils sont en train de faire des choses dans le feu. They are certain. Ils sont certains. That fire will destroy you. Que ce feu va vous détruire. Hallelujah. So the Lord will allow them to heat it and heat it and donc heat it and heat it. Le chauffer, chauffer, chauffer. So the fourth man on the fire, the son donc of God. Le quatrième
quatrième homme dans le feu, le Fils de Dieu. Allowed them to heat up the fire. A laissé que le feu soit chauffé. Allowed them to throw his children into the fire. Il vous jette dans le feu. Why? Pourquoi? Because he wants to reward Shadrach and Abednego. Parce qu'il voulait récompenser Shadrach et Abednego. Reward of their faith. Les récompenser de leur foi. Reward of their love. Les récompenser de leur amour. That is why the Bible says. C'est pourquoi que la Bible dit. To him that will persevere to the end. Pour celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Shall be saved. Il sera sauvé. Hallelujah. If you don't persevere to the end. Si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin. You cannot be saved. Vous ne pourrez pas être sauvé. Hallelujah. Hallelujah. And number two, et le numéro 2, God wanted Dieu voulait the enemy que l'ennemi to know pour ce qu'il sache that it has no power over Shadrach, Meshach and Abednego. Pouvoir sur Shadrach, Meshach et Abednego. Hallelujah. Hallelujah. Number one, the reason why God allowed Shadrach, Meshach and Abednego to be thrown into the fire. Was that number one? C'était le numéro un. God wanted to reward Shadrach, Meshach and Abednego. Number two. Le numéro deux. God wanted the enemy. Dieu voulait que l'ennemi to know sache that he has no power and never had power over Shadrach, Meshach and Abednego. Hallelujah. Hallelujah. And number three. Et le numéro trois. God wanted the king. Dieu voulait que le roi testify témoigne that there is a greater king more than him. Qu'il y a un roi plus grand que lui. Hallelujah. Hallelujah. Number four. Le numéro 4. God wanted his glory for himself alone. Il voulait que sa gloire soit seulement pour lui. Hallelujah. Hallelujah. When you persevere to the end, lorsque vous persévérez jusqu'à la fin, these things we've mentioned will happen. Ces choses que je viens de mentionner vont arriver. The Lord will reward your faithfulness. Le Seigneur va récompenser votre fidélité. Because faithfulness cannot be rewarded. Parce que la fidélité ne peut pas être récompensée. Until you get to the end. Sauf si vous allez jusqu'à la fin. Hallelujah. Hallelujah. And the king. Et le roi saw the glory of God. A vu la gloire de your Dieu. Your enemies will see Le the glory of God. In the name of Jesus Christ. The king looked and saw four men walking. Le roi a regardé, il a vu quatre hommes marcher. How come we threw three men? Comment trois hommes? And now we see four. Et maintenant on voit quatre hommes. Most times, what do we say? Parfois, qu'est-ce que nous disons? God has abandoned me. Dieu m'a abandonné. God has abandoned me. Dieu m'a abandonné. God does not love me anymore. Dieu ne m'aime plus. He's not seeing everything that I'm going through. Il ne voit plus ce que God je passe. God does not love me anymore. Dieu ne m'aime plus. It is not true. Ce n'est pas la vérité. Look at your neighbor. Regardez votre voisin. Say neighbor. Yes. Et God has not forgotten. Dieu ne t'a pas oublié. Hallelujah. He has not forgotten. Il ne t'a pas oublié. And there's something I've learned in this message. Et il y a quelque chose que j'ai appris dans ce message. Is that when they were tying Shadrach and Abednego? Lorsqu'ils étaient en train d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego, they did not struggle. Ils n'ont pas bataillé. Ils n'ont pas bataillé. They did not. They did not struggle. Ils ne se sont pas débattus. They allowed them to do whatever they wanted to do. Ils les ont laissé faire ce qu'ils voulaient faire. Hallelujah. Hallelujah. They did not say yeah. They have made the right choice. Ils avaient fait le bon choix. Hallelujah. Hallelujah. You know something? Vous savez quelque chose? When you make up your mind to love God, lorsque vous décidez pour aimer Dieu, when you make up your mind to serve God, lorsque vous décidez de servir to Dieu, honor God no matter what, pour honorer Dieu peu importe ce qui arrive,
Even though when the enemy will be telling même you you are stupid. L'ennemi vous dira que vous êtes stupide. When your friends will be telling you you are stupid. Lorsque vos amis vous diront que vous êtes how stupide. How can you remain in this situation? Comment vous pouvez rester when dans you can situation do it differently? Alors que tu peux le faire autrement. But you know inside vous savez au fond de vous. That you have chosen the best. Que vous avez choisi la meilleure solution. Shadrach and Abednego. They knew. Ils savaient. That they chose the best. Ils avaient choisi le meilleur. Hallelujah. So they did not struggle. Donc ils ne se sont pas débattus. They did not argue. Ils ne se sont pas débattus. They did not panic. Ils n'ont pas paniqué. They were in perfect peace. Ils étaient dans la paix parfaite. How can you see fire? Comment vous pouvez voir le feu? That is heated. Qui est chauffé? 7 times more than the normal. 7 fois plus que la normale. And they are coming to try you. Et ils sont en train de s'attacher. And you know that your last destination. Et que vous savez que votre dernière destination is in that fire. C'est dans ce feu. And you will not shout. Et vous n'allez pas crier. Hey, King, okay, please, oh. Oh, no, I will worship your God. Hey, I don't want to die, oh. Father, I don't want to. Je ne veux pas mourir. That is what a lot of us do. Our sister says she will faint. Hallelujah. Hallelujah. They did not struggle. Ils ne sont pas, débattus. Why are you struggling? Pourquoi vous vous débattez? They did not argue. Ils ne vous ont pas attaché. Ils vous ont pas. They did not argue. Ils vous ont pas attaqué. Ils ne sont pas discutés. Ah, ils n'ont pas discuté. Why are you discussing? Pourquoi vous discutez? They did not ask God. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Where are you? Où es-tu? Hey, God. Oh Dieu. You are looking at me, oh. Tu me regardes. You said you will help me, oh. Tu as dit tu vas m'aider. Why are you leaving me now? Pourquoi tu me laisses? Hey, God. Hey, Dieu. Are you sure we know what we are doing? Est-ce que tu sais bien ce qu'on fait là? Hey, Shadrach! Hey, Shadrach! Hey, this is stupid faith. Ça, c'est de la faute stupide. Hey, Shadrach! Shadrach! We are dying, you know. Nous allons mourir. Hey! Hey! Hey, Michel! Hey, Michel! Hey! You are saying it, so? Tu le vois? Abednego! Abednego! Hey, this our faith will kill us, so? Oh, cette foi va nous tuer, hein? This our faith is going to kill us, so? Oh, notre foi va nous tuer. Abishu, we still have opportunity. Nous avons toujours l'opportunité, non? Ils n'ont pas fait ça. They had perfect peace. Ils avaient la paix parfaite. In Isaiah 26, verse 3. Dans Isaïe 26, verset 3. The Lord says, He will give those that love Him in perfect peace. Ceux qui l'aiment dans la paix parfaite. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. They were in perfect peace. Ils étaient dans la paix parfaite. Because their heart was on God. Parce que leur cœur était en Dieu. They were not shifted. Ils n'ont pas triché. Hallelujah. Hallelujah. They had their faith in God. Ils avaient placé leur foi en Dieu. They were in perfect. Ils étaient dans la paix parfaite. When you know that you have chosen the best. Lorsque vous savez que vous avez choisi la meilleure solution, you will be in perfect peace. Vous allez être dans la paix parfaite. Hallelujah. Alléluia. They did not struggle. Ils n'ont pas discuté. They did not argue. Ils n'ont pas discuté. They did not quarrel. Ils ne se sont pas querellés. Hallelujah. Alléluia. They did not cry. Ils n'ont pas crié stupidement. Ils étaient dans la paix parfaite. Parce que leur cœur was on God. Était en Dieu. Why we panic? Pourquoi nous paniquons? When fire comes, lorsque le feu vient, it's because our mind, c'est parce que notre cœur is not focused on God. N'est pas sur Dieu, en Dieu. Hallelujah. Alléluia. Because we believe, parce que nous croyons, that God can do better. Que Dieu peut faire mieux. When you believe in your fire, lorsque vous croyez dans votre feu, that God can do better for you, que Dieu peut faire mieux, plus pour vous, that God can do better for me, que Dieu peut faire plus pour moi, that we deserve better treatment from God, que nous devons avoir un meilleur traitement de la part de Dieu, than what we have today, que de ce que nous avons aujourd'hui, peace will go.
La paix va partir. And we'll begin to struggle. Et nous allons être paniqués. We'll begin to, we'll begin to discuss. Nous allons commencer à discuter. We'll begin to argue. Nous allons commencer à discuter. We'll begin to force. Nous allons commencer à forcer. We'll begin to cry. Nous allons commencer à pleurer. We'll begin to insult God. Nous allons commencer à insulter Dieu. But Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. They did not struggle. Ils n'ont pas discuté. They just allowed God to be God. Ils ont juste laissé Dieu être Dieu. If only we can allow God to be God. Dieu être Dieu. Because the fourth man in Parce the fire. Parce que le quatrième homme dans le feu. Is already in the fire. Il est déjà dans le feu. Hallelujah. Hallelujah. He's already in the fire. Il est déjà dans le feu. That situation that you Cette are going situation through. Situation dans laquelle vous vous trouvez. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. If only you will realize. Si seulement vous pouvez réaliser. You will not argue. Vous n'allez pas discuter. You will not struggle. Vous n'allez pas vous inquiéter. You will allow God to vous do it for you. Vous allez laisser Dieu le faire pour vous. There's another lesson. Il y a une autre leçon that I learned que j'ai appris while preparing this message quand with the Holy Spirit. Je préparais ce message avec le Saint-Esprit. Is that Shadrach, Meshach, and Abednego? Shadrach, Meshach, et Abednego. They had every reason. Ils avaient toutes les raisons to worship the God of the land. Pour adorer le Dieu de cette terre. Because they, they were, deported, Parce qu'ils ont été déportés. They became slaves in Ils sont devenus des esclaves dans une So they had the right to become bitter. Ils avaient le droit de devenir des idolâtres. Yes. Oui. Because they will say, Parce qu'ils vont dire, the God of our fathers, le Dieu de notre père, that we were serving in Israel, que nous servions en Israël, forsook us. Nous a laissé. He abandoned us. Nous a abandonné. So let us worship this one that we have found. Donc adorons celui-là que nous avons trouvé. But Shadrach, Meshach, and Abednego. Mais Shadrach, Meshach et Abednego. They trusted so much in their God. Ils ont cru tellement dans leur Dieu. That they knew. Que ils savaient. That they are coming to Babylon. Que ils savaient qu'ils venaient à Babylone. Was for a purpose. Que c'était pour un but. Hallelujah. Hallelujah. God can allow you to be in a strange land. Dieu peut vous emmener dans une terre étrangère. For a purpose. Pour un but. Hallelujah. Hallelujah. For a purpose. Pour un but. But if you don't allow God to be God, Mais si vous ne laissez pas Dieu être Dieu, that purpose will not be achieved. Ce but ne sera pas activé. Isaiah 43 verse 2. Isaïe 43 verset 2. Les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Dans le feu, the fire will not burn you. Le feu ne va pas vous brûler. If you go through the waters, si vous allez dans les fleuves, the water will not drown you. Les fleuves ne vont pas vous faire brûler. Why? Pourquoi? Because God is with you. Parce que Dieu est avec vous. Hallelujah. Can somebody say amen? Amen. The moment we realize, le moment où nous réalisons, that we are not alone, que nous ne sommes pas seuls, we will just relax. Nous allons juste nous relaxer. Look at your neighbor. Regardez votre voisin. Say relax. Et dites relax. God is in control. Dieu est en contrôle. Hallelujah. Hallelujah. Relax. Relax. The master is in control. Le maître est au contrôle. Let us continue our reading. Donc continuons notre. 3 verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, servants of the Most High, sortez et venez. Come out and come here. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Then Shadrach, Meshach and Abednego came from the midst of the fire. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. And the satraps, administrators, governors and the king's counselors gathered together. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. And they saw this man on whose bodies the fire had no power. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés yeah. et que l'odeur du feu ne les avait pas effrayés. Even the smell of the fire was not on their garments. Alléluia. De la fumée. You know, when you are making barbecue. Vous savez, lorsque vous faites du
barbecue during summer. En été. While you are cooking with firewood. Où vous cuisinez avec le feu. What happens when you go near the fire after when you come out? Qu'est-ce que il se passe quand vous êtes près de? Even your skin. Même votre peau. Will be smelling smoke. Va sentir la fumée. Is somebody seeing the power of your God this morning? Est-ce que quelqu'un voit le pouvoir de votre Dieu ce matin? Amen. When you are cooking in the kitchen. Lorsque vous cuisinez dans la cuisine. You are just cooking, no? Vous êtes juste en train de cuisiner. Just come out. Juste sortez. When you want to say good morning, vous allez dire bonjour à quelqu'un. Your body will be smelling of the soup and whatever. Votre corps va sentir la nourriture. Can you see the mystery of your God? Est-ce que vous pouvez voir le mystère de votre Dieu? Can you see the power of your God? Est-ce que vous pouvez voir le pouvoir de votre Dieu? Hey, we women. Nous les femmes. Brushing. Les brushing. Hey, we do brushing, no? Nous faisons les brushing. It's not even fire. It's not direct fire. C'est même pas le feu. We just plug it. Nous juste nous branchons. Hey, when we are brushing now, eh? Là, we are massage. Massage. And if the thing is too hot. Si le truc est trop fort. We are just doing it. Yeah. Vous entendez le ch. And before you go, my hair is burning. My hair is burning. Juste avant de massager, vos cheveux sont en train de brûler. Is it not true? Est-ce que c'est pas vrai? Try take the, you know, the what, you are just, you know, brushing your hair. Vous êtes and you are hitting the heater. Votre, if you get too close. Et avec ses cheveux, si vous êtes trop près de vos cheveux. What happens? Qu'est-ce you get to hear the smell of your hair. Vous allez sentir l'odeur de vos cheveux. This fire. Ce feu. That was heated 7 times more than the normal temperature. Plus que la température normale. They entered in. Ils sont rentrés dedans. And they came out. Et ils sont sortis. Their hair. Leurs cheveux. Was not burnt. N'ont pas été brûlés. Somebody give a clap of Their hair. Leurs cheveux. Was not burnt. N'ont pas été brûlés. Their clothes. Leurs habits. Was not burnt. N'ont pas été brûlés. And the most beautiful of all. Et la chose la plus merveilleuse de tout. Is that they were even smelling fresher. Et ils sentaient même la fraîcheur. Hallelujah. What is that fire that you are going through? Quel est le feu dont vous êtes that dedans? You are struggling and you are fighting and you are crying and you are seeking priez, for help. Where you are not supposed to seek for help. Là où vous ne devez pas chercher de l'aide. Seek help. Cherchez l'aide from the right source. De la bonne source. Hallelujah. Hallelujah. Why are you crying? Why are you agitating? Pourquoi vous êtes agité? Even up to the extent of compromising your faith. Jusqu'à compromettre votre foi. Is your God not alive? Est-ce que votre Dieu n'est pas en vie? The God of Shadrach, Meshach, and Abednego. De Meshach et d'Abednego. Is the God that I'm preaching to you this morning. C'est le Dieu que je vous prêche aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. What is that problem? Quel est ce problème? Exodus 14:14. Exode 44 verset 44. God says. Dieu dit. You will hold your peace. Vous allez tenir votre paix. And I will fight for. Et je vais combattre pour vous. Why are you fighting for yourself? Pourquoi vous combattez pour vous-même? Why are you struggling? Pourquoi vous êtes paniqué? Trouble is not a part of God. La panique, c'est pas une chose qui fait partie de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Because God says. Parce que Dieu voit. Those he says. Ceux qui disent. Il a dit. Those that wait upon him. Ceux qui attendent sur lui. Will renew their strength. Seront renouvelés en force. They will mount up as, you know, with wings as the eagle. Ils seront comme des aigles avec des ailes. They will walk. Ils vont marcher and not faint. Et ils ne vont pas tomber. They will run. Ils vont courir and not be weary. Et ils n'auront pas mal aux jambes. Are you waiting on the Lord today? Est-ce que vous avez compté sur Dieu aujourd'hui? Are you waiting on Him today? Est-ce que vous comptez sur Lui aujourd'hui? Shadrach, Meshach, and Abednego. They saw the fire. Ils ont vu le feu. They even saw when those people were killed. Ils ont même vu quand ces personnes ont été tuées. But they waited. Mais ils ont attendu. On their Redeemer. Ils ont entendu leur rédempteur. Wait on your redeemer. Attendez sur votre rédempteur. If you are about to compromise. Si vous compromettez. No, you are about to. Vous allez compromettre. You want to. Vous voulez compromettre. Don't do it. Ne le faites pas. Wait on your God. Attendez votre rédempteur. He will come out for you. Il va sortir pour vous. And the four
fourth man in the fire. Et le quatrième homme dans le feu. We celebrate you. Hallelujah. The fourth man in the fire. Le quatrième homme dans le feu. Celebrated Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. He did not allow them to see shame. Il ne les a pas laissé voir la honte. When you wait on God. Lorsque vous attendez sur Dieu. Shame can never be your portion. La honte ne pourra pas être votre portion. The enemies will come and be celebrating with you. Your God is a mighty God. Your God is a glorious God. Your God is a powerful God. It is your God that we will serve. Nous montrons pas aux gens qui est notre Dieu. Because we are so in a hurry. Parce que nous sommes tellement fauchés. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, et Abednego. They were not in a hurry. Ils n'étaient pas pressés. They knew God's time is the best. Ils savaient que le temps de Dieu était le meilleur. Hallelujah. Hallelujah. God's time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. How many of us knows when it will be God's time? Sachant lorsque arrive le temps de Dieu, personne ne le sait. Nobody. Personne ne but sait. God alone. Mais seulement so Dieu. That is why we must learn to wait. Donc c'est pour ça que nous devons apprendre à attendre. As long as you are still alive. Aussi longtemps que vous êtes en vie. As long as I am still alive. Aussi longtemps que je suis en vie. There is hope for us. Il y a look at your neighbor, say there is hope for me. Regardez à votre voisin et dites il y a de l'espoir. There is hope for me. Il y a de l'espoir pour moi. Hallelujah. Hallelujah. Let us stop arguing and fighting. Arrêtons de discuter et de nous combattre. If each and every one of us. Si chacun d'entre nous. Has accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Then let us not compromise. Nous n'avons pas à compromettre notre. Because most times when we compromise, parce que parfois quand nous compromettons, we bring shame to the name of God. Nous amenons la honte au nom de Dieu. When we go to the wrong people to seek help, aux mauvaises personnes pour chercher l'aide, we bring shame. Nous apportons la honte au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. We should learn to wait on God. Nous devons apprendre à attendre sur Dieu. Psalm 50:15. Psalm 50, verset 50. 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Call upon me. Appelle-moi. In the day of trouble. Dans le jour où tu seras en trouble. I will deliver you. Je vais te délivrer. And you shall glorify me. Et tu vas me glorifier. Hallelujah. Hallelujah. Are you in that fire already? Est-ce que vous êtes dans ce feu aujourd'hui? And you are complaining? Et vous êtes en train de vous plaindre? Complaining is not calling. Se plaindre, ce n'est pas appeler. Hallelujah. Hallelujah. To murmur. De murmurer is not calling upon. Ce n'est pas appelé. Hallelujah. Hallelujah. When we call, lorsque nous appelons, he says he will answer. Il a dit qu'il va nous répondre. But when we complain, mais lorsque nous nous plaignons, when we murmur, lorsque nous murmurons, when we struggle, lorsque nous inquiétons, when we curse God, lorsque nous maudissons Dieu, God cannot answer. Dieu ne peut pas nous répondre. God cannot come down. Dieu ne peut pas descendre. Alléluia. Alléluia. Only when we call. Juste lorsque nous appelons. Call upon him. Appelons-le. When I call upon him. Lorsque je l'appelle. The way Shadrach, Meshach, and Abednego called. La manière dont Shadrach, Meshach et Abednego ont appelé. God says what? Dieu a dit. What did God say? Qu'est-ce que Dieu a dit? Church, what did he say when we're just qu'est-ce que Dieu a dit là où nous venons juste de lire? Hello. Hello. What did he say to you? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous délivrera après. Are we together this morning? Est-ce que nous sommes ensemble aujourd'hui? Amen. He says when you call upon him. Il a dit que lorsque vous l'appelez. In the day of your trouble. Dans les jours de votre détresse. What did he say he would do for you? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il vous faire? Hallelujah. Hallelujah. When you call on him, lorsque vous l'appelez, in the day of trouble, dans les jours de vos troubles, he will answer you. Il va vous répondre. He will deliver you. Il va vous délivrer. When I call on him, lorsque je l'appelle, in the day of my trouble, les jours où je suis en problème, he will answer me. Il va me répondre. He will deliver me. Il va me délivrer. And we will glorify him. Yeah. Yeah.
Alléluia. The fourth man, le quatrième homme, cannot come into the fire of our lives. Ne peut pas venir dans le feu de notre vie. If he is not invited. S'il n'est pas invité. That is number one. Ça c'est le point numéro un. The fourth man, le quatrième homme, can never come into your fire. Ne pourra jamais venir dans votre feu. Can never come into my fire. Ne pourra jamais venir dans mon if feu. If he is not invited. S'il n'est pas invité. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, et Abednego invited the fourth man in the fire. Ils ont invité le quatrième homme dans le feu by their profession of faith. À travers de leur foi. By their taking risk of dying. En prenant le risque de mourir. That was a direct invitation. Ça c'était une invitation directe. Hallelujah. Hallelujah. So the fourth man in the fire. Donc le quatrième homme dans le feu. We only come. Personnellement venir. When we invite him. Si nous l'invitons. When we refuse to, you know, compromise. Lorsque nous refusons de compromettre. Hallelujah. Hallelujah. The fourth man in the fire. Le quatrième homme dans le feu. We only come. Va toujours venir. When there is no other alternative. Lorsqu'il n'y a pas une autre solution. Alternative. Hallelujah. Hallelujah. When you have another alternative. Lorsque vous avez une autre alternative. The fourth man in the fire will not come. Le quatrième homme dans le feu ne va pas venir. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, et Abednego. They did not have another alternative. Ils n'avaient pas une autre alternative. It was either God saved them. C'était si Dieu les sauvait. Or they would die. Ou sinon ils mourraient. There was no other alternative. Il n'y avait pas une autre alternative. Hallelujah. Hallelujah. A lot of us today. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui. We are in the fire. Nous sommes dans le feu. But we have alternative. Mais nous avons l'éternité. Alternative. And that is why we are not seeing the fourth man in the fire. C'est pour ça que nous ne voyons pas le quatrième homme dans le feu. Hallelujah. Hallelujah. The fourth man. Le quatrième homme. Must see. Doit voir. That beside him. Que à part lui. No other person can help us. Personne ne peut nous aider. Alléluia. Alléluia. Because the fourth man in the fire. Parce que le quatrième homme dans le feu. Saw that there was no other helper for Shadrach, Meshach, and Abednego. A vu qu'il n'y avait pas une autre aide pour Shadrach, Meshach, et Abednego. Alléluia. Alléluia. So when we are cheating. Donc lorsque nous trichons. When we are lying. Lorsque nous mentons. When we are compromising. Lorsque nous sommes en train de compromettre. Those are alternatives. Tout cela, ce sont des alternatives. That can never allow the fourth man to come down in the fire. Qui ne pourra jamais laisser le quatrième homme venir dans le feu. The fourth man in the fire. Le quatrième homme dans le feu. Is a justifier. C'est une justification. Justificateur. C'est un justificateur. Alléluia. Alléluia. He will justify you. Il va nous justifier. Always. Tout le temps. When you wait on him. Lorsque nous l'attendons. When you don't have another alternative. Lorsque nous n'avons pas une autre alternative. Is a justifier. C'est un justificateur. Is a deliverer. C'est un délivreur. Alléluia. Alléluia. He will always come at the right time. Il va toujours venir au bon moment. You know, I hear some people. Vous savez, j'entends certaines personnes. Say that God is too. You know, it's too slow. Que Dieu est trop lent. Have you ever had people say? Est-ce que vous avez jamais entendu des gens dire ça? Oh, we pray. Oh, vous savez, on prie. Oh, you know, prayer. Hein? Vous savez que la prière est so long. Hein? C'est tellement long. Hello. Hello. Somebody that is always on time. Celui qui est toujours à l'heure. How can you say it's slow? Comment vous pouvez dire qu'il est lent? God is never slow. Dieu n'est jamais lent. Hallelujah. Hallelujah. Our God is never slow. Notre Dieu n'est jamais lent. God is not slow. Dieu n'est pas lent. Because he's always on time. Parce qu'il est toujours à l'heure. Say neighbor. Dites voisin. God is always on time. Dieu est toujours à l'heure. Always on time. Always on time. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. My God is never late. Mon Dieu n'est jamais en retard. Your God is never late. Votre Dieu n'est jamais en retard. He's working it out for you. Il est en train de travailler sur ça pour vous. Hallelujah. Hallelujah. He is working it out for you. Il travaille sur ça pour vous. Our God, notre Dieu, is a mighty God. C'est un Dieu puissant. Jesus Christ of Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Is that fourth man in the fire? C'est ce quatrième homme dans le feu. You have him, I have him. Vous l'avez, je l'ai. In the time of Shadrach, Meshach, and Abednego. Dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Jesus was not living in them. Jésus n'habitait pas en eux. He just came down. Il est juste descendu. Descendu au milieu de leur feu. Alléluia. Alléluia. But today, mais aujourd'hui,
You and I, vous et moi, we carry Christ in our life. Nous portons Amen. Christ dans notre vie. Alléluia. Alléluia. The life you have today, la vie que vous avez aujourd'hui, the life I have today, la vie que j'ai aujourd'hui, was given to us by Jesus Christ. Nous a été donnée par Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. So how come? Donc comment? We don't see him in the fire. Nous ne pouvons pas le voir dans le feu. We that carry Jesus. Nous qui portons Jésus. How come we don't see comment him nous pouvons ne pas le voir dans le feu? How come that fire is burning us so terribly? Comment ce feu peut nous brûler? Because we have not given the right place to him. Parce que nous lui avons pas donné la bonne place. We love him with our mouth. Nous l'aimons avec notre bouche. But when trouble comes, mais lorsque les problèmes viennent, we look for alternatives. Nous cherchons des alternatives. Alléluia. Alléluia. Jesus cannot be replaced. Jésus ne peut pas être remplacé dans notre vie. He's the fourth man in the fire. C'est le quatrième homme dans le feu. Whatever fire we are going through, peu importe le feu dans lequel vous passez, vous trouvez. Jesus must be the one that will be in that Jésus fire. Jésus doit être celui qui doit être dans ce feu. But for him to be in that fire, mais pour lui pour être dans ce feu, you must invite him. Vous devez l'inviter. You must make him know. Vous devez le faire savoir that you have no alternative. Que vous n'avez pas une autre alternative. Is your last que c'est votre dernier moyen, dernier arrêt. Dernier arrêt. When you get to the last bus stop, lorsque vous trouvez au dernier arrêt, do you continue the journey? Est-ce que vous continuez votre journée? Hello, church. Alléluia. When you get to the last bus stop, lorsque vous êtes au dernier arrêt, when they say this is the last bus stop, lorsqu'ils disent que ça c'est le dernier arrêt, any transport that will come, tout transport qui va venir, will drop all their passengers there. Ils vont juste laisser tous leurs passagers là-bas. There is no more continuing destination. Il n'y a pas une autre destination. It is the last bus stop. C'est le dernier arrêt. Either you go back, soit vous repartez, or you remain where you are. Soit vous restez là où vous êtes.